DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Bien, merci beaucoup. C'est encore un grand plaisir de vous rencontrer cet après-midi. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis M. Mara Bobola. Je suis analyste politique et je n'aime plus qu'on m'appelle communicateur. J'aime qu'on puisse m'appeler le défenseur de la République. C'est comme ça que j'aime qu'on puisse m'appeler, parce que le travail que nous faisons, c'est un travail pour la défense des intérêts de la République démocratique du Congo. C'est un travail que nous faisons pour défendre le peuple qui est sans voix, qui n'a pas peut-être d'autres moyens de s'exprimer, si ce n'était pas dans la rue, de descendre dans la rue. Le peuple parfois manque aussi des leaders, les leaders sérieux, qui peuvent aussi quand même l'aider à avancer. Et raison pour laquelle, même si nous sommes du pouvoir, même si nous défendons le régime de nous, le membre de l'IDPS, le régime de l'IDPS, il y a toujours aussi lié de défendre aussi la République. Alors, je suis M. Mara Bobola. Nous émettons ici à Kinshasa à partir de la chaîne Tango et Koki. Tango et Koki, c'est une chaîne de télévision qui émettent sur YouTube. Nous sommes là pour vous informer par rapport à l'actualité politique, l'actualité économique. Vous allez constater qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne suis plus devant la caméra pour essayer d'analyser les questions politiques, essayer un peu de vous donner notre point de vue par rapport à ce qui se passe. C'est parce que c'est parmi les stratégies qu'on avait trouvées ici au niveau de la chaîne que le DG avait décidé que désormais que je sois récit comme invité et non comme un présentateur, aussi analyste personnellement. Et aujourd'hui, puisque Jésus Encolé n'est pas ici avec nous, Jésus Encolé a eu un peu un petit problème de santé et nous sommes dans l'obligation de vous informer. Alors, nous allons discuter seulement, je crois que sur deux petits sujets. Toko Sola, vraiment, ma soleil est belle été. Toko Sola, kaka, ma solo mouquin. Masolo ya liboso toko solo la eza par rapport ya makambo etali guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez bien que ça fait déjà plus de deux semaines. Aujourd'hui toko ti suko na troisième semaine, tozo ke ne vers quatrième semaine oyo ba pesa ki trêve humanitaire. Trêve wana ba pesa ki ba senga ki na deux parties. Ça veut dire que la partie rwandaise représentée par le M23, AFC, RDF, ainsi que d'autres groupes armés qui sont en ramification, qui sont en partenariat, en collaboration étroite et directe avec le gouvernement rwandais, qui sont en train de soutenir ces mouvements pour agresser la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, c'était aussi la République démocratique du Congo qui devait aussi accepter cette trêve humanitaire afin que les deux parties puissent passer dans le cessez-le-feu. Deuxième sujet, nous allons essayer un peu de parler sur les actions du chef de l'État. Nous allons aussi essayer de parler les actions aussi du gouvernement de Mama Judith Suminan, parce que on voit quand même que les choses n'avancent pas comme nous sommes en train de souhaiter, comme notre peuple est en train de souhaiter. Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas comme il se doit? Qu'est-ce qui fait que Mama Judith puisse un peu marquer le pas par rapport aux membres de son gouvernement? Parce que vous le savez, le Premier ministre est le responsable et c'est lui, parce que nous parlons du Premier ministre, qui conduit les actions du gouvernement, qui coordonne les actions du gouvernement ensemble avec le ministre. Et les ministres sont aussi les chefs de leur département. D'après notre constitution, ça veut dire que c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale.
et être le responsable devant l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est le premier ministre qui est responsable devant le peuple. Et c'est lui qui conduit la politique de la nation. Ce n'est pas le chef de l'État. Il y a le principe de condamner les présidents de la République lorsque les choses ne marchent pas. C'est parce que la Constitution lui donne le pouvoir de ce qu'on appelle le garant du bon fonctionnement des institutions. Dans le domaine de la justice, on l'appelle le magistrat suprême. Ça veut dire que tout ce qui peut se passer dans le domaine de la justice, ça passe par rapport aux orientations du chef de l'État. Mais les décisions que la justice y prenne, le président de la République ne peut pas se mixer sur le plan officiel. Alors de l'autre côté, on l'appelle le commandant suprême. Ça veut dire que c'est lui qui doit orienter les questions par rapport à la situation sécuritaire. Nous sommes à Kinshasa, nous avons des problèmes de Kuluna. Nous avons les problèmes de Kuluna. Ça veut dire que Essengé, le chef de l'État, a l'oukandengenini, a koïkopé sa orientation naïe, pour que makamboitali bokengi, makamboitali sécurité, makamboitali banditisme urbain, makamboitali koboto la ba maman basaki, makamboitali kokende ko viole bandeko yabasi, kokote la batu na bandako, ko enleva kabatu na ba taxi. Kokende koboto la biloko ya batu, kokote la batu, biloko wana, Essengeli, chef de l'État, ape sa orientation na ye. Et na kati wana doza kokuta politique ya chef de l'État na makambota li sécurité. Alors, ba biloko mousousu etikali, eza kota mola nenge chef de l'État za ko souhaite. Ça veut dire que mama Judith Toulouka nenge azawana, ko travaye nenge aza ko travaye selon vision ya chef de l'État. Président le bien que Essengeli guerre ya est ici là. Mama Judith Essengeli a zo gouvernement naye, a zo ministre à défense, a zo ministre à intérieur, ba luka moyen, ba réfléchi, ba tia politique, mona ba stratégie, ministre à finance, na misambongo, tokende. Na kangi parenthèse, ou an tozongi na parenthèse, na biso, ya premier sujet na biso, mais je pense que avant aussi sa deux sujet na biso, toko kota na mou kema kamo itali crise na parti politique na ngay, parti politique na biso, na bandeko yoso, bozana bokolanda, Obike biso to adopté système moko o ezali ya koloba kaka bosolo pambate ba bandeko oyo chef de l'État ba membre ya gouvernement pesi bango confiance esengeli ba sala musala malamu musala ba kusala ndeko sala eke chef de l'État aza la publicité meilleur président bilan chef de l'État ezala malamu mais nyoso wana peza ko dépendre pe na famille politique ya chef de l'État ce qui parmi famille politique ya chef de l'État Ezako vanda na kimiate, bazako travaille malamute, il y a trop de compétences, il y a trop de désordre, ezala makambo mabe ezako lekana kuna, je pense que eko handicapé pe vision ya chef de l'État et puis na bilan na ye. Et moyen peut-être peuple alukapé moyen akoza la satisfait et koza la te parce que tout va de l'autre côté. Donc moi mi sujet mi sato to solana bino yango wana. Alors, la guerre dans l'Est des pays démocratiques du Congo. Peuple congolais, chers compatriotes, nous sommes encore là. Nous sommes encore là devant vous pour na koluka ko solana bino. Lelo na kozala pena likolo ndenge na zalaka te. Soki bosali constat, naza vraiment très posé, na noue cravate na ngai, je mets ma gilet, mon gilet pardon de la couleur blanche. C'est tellement comme ça. Maman moko koya na nga lobi ke ah, ne komara bobolo lati lelo kitoko. Na ebisi ah maman, to lati kitoko. Mais modèle oyo mama Judith ya ko sa musala vraiment biso ba combattant IDPS biso ba toto ko défendre chef de l'État biso ba toto na kati ya famille politique ya chef de l'État toza ko mona ngoi ko kende malamu te mama lobi bo kangaka motema. Alors la guerre dans l'Est République démocratique du Congo, chers compatriotes, depuis bientôt tozo ko ta na 3e semaine mabengi na Lingala poso misato. Poso misato pa mbate tuzwa kukukisa poso misato pona kuluka ndenge nini totala makambo ya geri ya este za kukende. Na mikolele kiso kibolandi analizi na ngai, na zala ki invite pa na Jezi Ankole, oya zali presentate na chen la bino bolinga ka epe mingi, na yebi sa ki yeke, Jezi Ankole esengeli to sala attention, to zala na mwa bo kebi, pa mbate, makambo za kolekana na mboka na biso oza kolekana niveau ya Est République démocratique du Congo na monyele ya Congo ezali kozangisa biso kimia et puis ezako pesa biso peut-être moi pongi pete pamba te tozako tala ke bitumba oyo depuis ebanda
bitume bandi depuis 94, depuis 96. Tango, comment on appelle ça? Ba Afdel, ba sali koplo na bango na République rwandaise ou bien le Rwanda. Le Rwanda sali génocide na 94. Ba fungoli bango couloir humanitaire, ba yako kukuta ba vandi pa na biso. Ko vanda ba vandi, bitumba e bandi, ba yako kreye ba biloko ba bengaka, ba groupe rebelle. Ça veut dire que tu banda ki na RCD, tu longo na RCD, tu komi na CNDP, tu longo na CNDP, tu komi na M23, tu longo na M23 en na 2009, tu komi na M23 D na 2012-2013. Directement Anthony Blinken a witi poto ayea wa yebisi Kabila ke esengele organiser ba élection. Pambate na 2016 yo esengele tika kitia bokonzo kende. Kabila yebisi moyen na organiser ba élection ezate. Pambate tuza na bitumba o ezana ge nani na est entre le FRDC na bandeko ba bengi ya nini ya ya M23. C'est comme ça que Anthony Blinken va promettre et pas na Kabila que les États-Unis d'Amérique a kosa la nyonso pour que bitumba oyo esila. S'il vous plaît landa, ce n'est pas pour rien na zongi na mwasi mana pe sabino historique pour na yebie ke na, na avana chite na kati ya premier sujet na ngai na ko pe sabino eloko ya motuya oyo za ko leka par rapport ya exigence et puis na condition et na demande ya trêve humanitaire oyo yo le gouvernement américain a imposé au Ezali gouvernement Nabiso Nambula Matal Nabiso. Déplace nga la Rosuka. Landa, s'il vous plaît. Tango Oyo, Tolongwe na 2013. Tokei ba organise ma ponami. Milulu ya ma ponami e salemi. Tokei tu sali ma ponami ya 2018. Tata mokonze ekolo. Mwana mbo katiseke di tulombo ya zubo konzi. Melelo Oyo, bitumango e zongi lususu. Depuis, je crois que, depuis tiseke di azubo konzi, chef de l'État, bitumba ezongi na niveau ya Est République démocratique du Congo et lokoni esali ke bitumba ezonga bato msu bazako loba ke M23 ayaka na Kinshasa awawa ayaki na Kinshasa azaki loge na même ligne chef de l'état muta invitaka bango ba vandaka wana baliaka ba melaka juste à ce que ba prometai bango ke bokende to kopesa bino loko bozako luka mais M23 luka kanini landa Landa topi sabine loko M23 lukaka na mboka na biso. M23 lukaka loko aliboso. Alukaka mabele. Bitumba nyonso boza komola M23 zako luka. Ba Corneille Nanga. Ba Willy Ngoma. Ba Ndeko Musuya bazaki na PPRD ba Keikuna. Ba Keiko yede Rwanda po azwa mabele na biso. Pambate sima ya M23. Tozane na Rwanda yene mutu azako apuye nani azako apuye M23. Eske bo komprende makamona lobi? Na bande ya lisusu. Pour la bonne édition, pour la meilleure édition. Ça veut dire que nenga boza ko mona M23 za ko bunda. Baza ko boma, baza ko pié, baza ko violé ba mama leki na biso, baza ko violé bana na biso ya basi, baza ko zo ba jeune garçon na biso ba zo bango na makasi, baza ko kota bango na armée na bango, baza ko luka ba zo est ya République démocratique du Congo, baza ko pié ou ba bengaka makalaka ça veut dire que ba minerai na biso et puis baza ko kenenango biloko nyonso bomo na kawana M23 posa na ezanini azo mabele et si ma M23 ezanani ezali Kagame Kagame ndi azako tinda batu wana mais si ma Kagame ezanani si ma Kagame eza ba multinational ça veut dire que ba multinational ezali batu oyoyo baza na domaine ya économie domaine d'affaires ba misusu ba sala ka ba téléphone ba misu bazo sala ba mituka ba misu bazo sala ba moto ba misu ba sala ka ba iPad ça veut dire que monde ya électronique wana ba ngonde bazana kati alors lokola bazaka na besoin ba matière première oyoyo ekoiko sunga bango ba luka ndenge nini ba kokiko fabriquer ba biloko wana yango moni batinda ka Rwanda ba pesi Rwanda minduki Rwanda zu minduki wana akei ko créer moi groupe mobo armé apesi ba minduki na ba mbongo na ba teni na ba orientation ba koti na zamba ba kenda ka wapi pourquoi le M23 toko mitu na motuna te pourquoi le M23 azako po na ba localité na est république démocratique du Congo ba ko ko kota par exemple na Kinshasa ole ba kanga Kinshasa mobimba bango ba ko kendeka ka ko po na ba commune ba ko zo lingwala ba ko zo matete ba zubumbu
bazu peut-être mongafula bazu maluku bango izabongo pourquoi pas pendant la localité wana baza ko kende ko luka bisika oyo minerai zalaka tango bango baye na localité moko ba cibler yango ba ke ba frapper lokola peut-être biso FRDC toza na trahison ba ko trahi ba pesi bango plan na biso FRDC certains militaires na katia FRDC ba pesi bango plan na ligne ya combat ya front bango bakoya ba frapper ali ba déloger FRDC avant que tu wazale noya ne ba yi ba s'installer bazu ba munitions na bango ba té bazu ba dépôt ya munitions na bango ba té bazo renforcer sur bango ba militaires en même temps bazana ba hélicoptère baza ko exploiter sur ba minerais o izana katia localité wana et ko permettre bango ba kende kuti na ngwapi na Rwanda Rwanda na par na e atindi yango e pana ba multinational ba oyoyo ba soutenir kayé et tango bango ba kote kabiloko oyoyo nde loko ko sala ke ba luka ndenge nini ba koki kozwa une partie ya mbongo ba pesi Rwanda Rwanda perdu une partie ya mbongo a pesi ba tunyo so bozwa ko mona ba militaire bazawana. Ça veut dire que nous avons une corneille dans la corneille dans la foute à Kaye et pas dans la et pas dans Kagame. Parce que vous avez dit que comment Moutouzaki président ya Seni, avantage ni une corneille dans la azu ya ngote na mbo kanabiso, kouza la président ya Seni, eza in messe affaire te, eza ba fonction moko boui, oyoyo, eza li notamment ya pouya démocratie, et puis eza biloko yo. Et ça va fonction oyoyo muto akoyi kozanga ya kolia ta za kozanga nda kwa kolala te mais andimi atika statut na ye ancien président ya Seni a créé parti politique na ye a créé regroupement na ye ya alliance fleuve congo nde baza ko kende ko sala biloko wana ça veut dire que ndenge bomo na bango ba futa ka bango alors tango bango baza ko sala biloko wana bomo na ye ke lelo oyoyo moyen gouvernement moyen mboka na biso to vanda yusu kimia ezate pambate baza souteni mais le kola bango baza souteni gouvernement congolais na peuple congolais na ensemble na FRDC bazwa ki mikano ya koloba yeke esengeli to kende ko créer babengaka réserve moko o izali réserve ya défense puis la réserve ya nini ya armée na biso tango ba créer loi ya de ya réserve ya armée de place wa wazalendo babimaki wazalendo ba yeko bima na ba maimai na bandeko mususu ba rekuma mususu congolais o baza ko appuyer et FRDC pendant ko luka moyen ya ko telemela ba M23 po eki makamba baza ko sana est et luka moyen ya ko sanini ya ko sila mais le kola to bandai ko lo makambo ya trêve humanitaire bolanda s'il vous plaît bolanda ezala biloko ya pasi oyo Kagame na bato na baza ko sala na est peuple congolais boku sipila na ngote trêve humanitaire oyo basengi ya omoni mikolo leki na yebisaki Jésus en kole na emission moko ya mainga ke toka mwate soki ville ya Goma ekpei pendant que toza na kati ya trêve humanitaire et lokoni eza ko sala pendant la trêve humanitaire bolanda ba imposer biso na no trêve humanitaire ba violer principe na biso ya indépendance ya République démocratique du Congo lorsque nous sommes un pays indépendant. Nous ne sommes pas censés de se soumettre de la volonté administrative et politique, voire même commerciale, voire économique et stratégique et géopolitique des autres pays. Ça veut dire qu'aucune puissance internationale, aucun regroupement et aucun collectif, aucune organisation ne peut en aucun cas imposer au gouvernement congolais et au peuple congolais leur volonté de vouloir faire ce que nous pouvons le faire. Sans que biso moko ton di mabiloko oyo peuple congolais landa botala makambo oyo bato ba dongolomiso ya M23 bazako sala na niveau ya nini ya est ya république démocratique du Congo alors ya mboke to kotala mabiloko ya kotanga oyo ba actualité tuzana na linga kito silisa nano premier sujet na biso to silisa silinde to koto avant to kotala deuxième sujet tokotanga mwa actualité muke pona ko pesa bino pe évolution ya makamundenge eza koleka na actualité ya début ya semaine na ya mwa quelques jours passés. Alors le M23 baza ko sala nini ba Kagame a comprendre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo diplomatie na ye lokola izo kende ko empêcher ye ya ko avancer lokola stratégie politique ya chef de l'état ya ko luka mwa ya ko dénoncer agression rwandaise ya ko pesa na ba pulusu na biso na ba lata sokoto ba soda na biso ba makoki o ba bengi makoki notamment bilamba ya bitumba
ba munitions manduki bazwa ko pesa bango ba produits pharmaceutiques na ba stratégie pour na ko kende ko tele mais la M23 Kagame a comprendra ki yango ke naza prêt pour na ko perdre guerre oyo so ki na perdre guerre oyo yo batu o ba changa na bokonzi ba kolongolanga pambate role nanga nazo jouer na niveau ya sous région ezali a ko déstabiliser certains pays notamment la République démocratique du Congo oyo ko sala eke biso to zwa mabele ndenge na yebisa kibino ne bandeli to zwa mabele et puis mabele wana ne ko sunga eke Rwanda azo yango a annexer yango na mboka na ye peuple congolais butala likambo ya somo oyo Kagame aza ko sala na mabele na biso trêve humanitaire to ndimi yango mais tala makambo eza ko salama lelo oyo toza koloba d'abord mikoleleki tolandaki honorable député moko Crispin Bindoule o asala ki communiquer alobie ke asali communication na alobie ke pendant que nous sommes dans la trêve humanitaire est en train d'être violée par les éléments du M23. C'est chaque semaine que 300 tonnes de l'or qui sont exploitées et expédiées au Rwanda pour être acheminées dans le pays de leur multinationale qui les soutiennent. Ce qui te suit, 300 tonnes oyo ezali ya nini ya ba or oyo bazali koluka ko exploiter ango na mboka na biso soko sali calcul par semaine tozana 300 tonnes ezokende ça veut dire que tozana plus de 1200 tonnes par mois oyo ezali ya or o ezako kende libanda ya mboka na biso peuple congolais butala likambo ya somo oyo M23 bazako sala na mabele na biso likambo ya somo oyo bandeko oyoyo bazako kende ko soutenir bato ya M23 bomoni eloko biso toza koloba eke Corneille Nanga akei kolukila biso ngambo na niveau ya Est République démocratique du Congo bomoni makambo biso toza ko dénoncer chaque jour na Monsieur Stéphane Balamwangi na Jésus Ankole na Maître Joël Kitenge bomoni makambo biso toza ko dénoncer 1200 tonnes oyeza ko kende chaque mois ndenge honorable Bindoule Crispin asali yango boza ko comprendre 1200 tonnes oyezali ya or eza ko kende et puis baza ko zo yango api na parc national ya nini ya Virunga biso toza bato oyo to pesaka ku na makambo etali environnement et l'environnement n'aime pas les bruits voilà pourquoi on parle des questions de pollution de l'air de pollution de sol et des pollutions des eaux pour ne pas parler de l'eau ça veut dire environnement il n'a pas quel est l'été mais le col à M23 zana est tous en a trêve humanitaire bango baza ko kende ko violer yango et les États-Unis aza ko tika M23 a violé trêve humanitaire sans qu'il y ait des sanctions et ça le col zana bana ndako oyebisi bana ke oyo akobunda pona pondu akomona ngamabe akulia lisu na ndako yote mukoloka ka mtu akoswa na pona makambo biloko akulia na ndako akulia te mais omoni ke bana omi bale yo pekisi bango ezana moko azawana azokende kutumula moninga po babunda etango moninga azoyebisaye ke papa pekisa ki makambo yo yaza koyoka te est-ce que papa esengela kanga maboko atala kake mwana wana apesa kake ka rapport alela galela kake papa sala reloko mokote ndeza situation za koleka na trêve humanitaire ça veut dire que les Rwanda à travers les M23 bazako respecter trêve humanitaire te bazako kende ko exploiter ba minerai na biso bazako kende ko menacer ba FRDC na biso bazako kende ko piller ba ressources naturelles na biso za na parc national ya Virunga bazako kende ko vanda net awa bazana Kayabayonga bazana Rubaya bazana ba localité oyobino boyebine to pisa kibino ba information bazape na Bunagana mais est-ce que esengeli na biso to lukaka ka moyen ya ko kende ya ko supporter ba biloko ya bo non aucun congolais ne peut en aucun cas supporter ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo peu importe les erreurs du chef de l'État
peu importe les compétences ad guillemets ndenge bande comme sous baza koloba il y a gouvernement il y a maman Jili te Tuluka peu importe les erreurs au yo président république a koki ko sala nous ne pouvons jamais applaudir, nous ne pouvons jamais accepter et soutenir ce qui se passe dans l'Est République démocratique du Congo. Il y a un moment où il y a eu ça que Jésus en colère à Wawake, Toka Mwateke, Goma, Ekpeya, Bukavu, Ekpeya, des provinces où on a eu la sous contrôle, il y a M23 pendant qu'il y a la trêve humanitaire. Il y a un autre Sengaki, Naba FRDC, Nabiso, base à la vigilance. Avant d'aller au Bamakamwa, la vigilance, d'autres informations, les Zagaka, le Wazalendo, Baza, na Lubero, baza na Butembo, baza ko continue toujours formation na bango, formation les alliés à renforcement et à capacité si terrain. Renforcement, mon totine la kibino ba vidéo la fois passée, baza ko laksa nengeni ba wazalendo, bazali ko sa la ba entraînement na bango, na niveau ya Zamba, na niveau ya ba colline. Bon moni ba colline wana, eza ba colline oyo ba e, ba M23 ba vandaka. Kone nangana ba tunaye, eza ba colline o place bango ba vandaka. Mais le wazalendo depuis ba ye, il y a certaines collines au bango ba récupérer nde ba kenda ko tiango ba tiango na Lubero na na Butembo place oyo yo bango bazo sala formation eza na ba militaire congolais certains généraux oyo ba kitai kuna pona ko luka moyo ko yebisa bango ke bo sur soi parce que toza na trêve humanitaire bango ba boyaki ba wazalendo ba lobi tokoyoka ba décision na bino te pamba te toza ko mona mabele na biso eza ko kende Bounaga na yangwana 2 ans, toujours qu'on est 3 ans, et ça sous le contrôle, il y a M23. Ça veut dire que Bounaga na minute yoyo, c'est M. Kagame qui décide. A quoi il y a la mouki a l'oublié que, mituka nyonso, oezo ou ta Uganda, oeza ko kende na Goma, oeza ko kota République démocratique du Congo, ba matisa taxi na yango, ba ko matisa. Soka l'oublié que, ba police, oe baza na Bounaga na, ba longola ba teni na bango, ba ko makola ta jaune, ba ko banakola ta jaune. Sera le bien que administration wana ezala changer va changer. Ça veut dire que chef ya localité wana to le bango pe que c'était rwandais oyo yo batie na tête ya nini ya localité ya cité ya Bounagana oyo bango baza ko sala ba n'importe quoi na mabele ya Congo na biso. L'autre information est que pendant la trêve humanitaire le M23 continue toujours à violer les principes de cesser les faits entre le FRDC Nanani na le M23 les FRDC azo accepté la trêve humanitaire azo observé en haut mais bande ko na biso ya nyamu nyamu bato ya dongolomiso bandoki o balingi mboka na biso te baza ko kende ko violer trêve humanitaire pour la bango eza occasion ya ko frapper FRDC ya ko exploiter ba minerai na biso mais formation et lors mon information musuto zozoa eza ke ba wazalendo bazali infiltré. Le Wazalendo serait infiltré depuis quelques semaines en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ils ont une stratégie à M. Kagame ou à Zui, il y a un faible à Wazalendo. Au moins, il y a une infiltration ou tout ça pour le bas de Yango. Est-ce que vous comprenez ma camotozo? T'as l'information de l'outil que vous avez. Le Wazalendo infiltré. Bon, vous avez une Kinshasa Awa. Tant que vous avez dit, guerre, vous avez été. Est-ce que vous avez aussi les gens qui ont vantir dans le sala? Ba vantir yango yo, le Wazalendo infiltré. Il y a des militaires qui meurent. Il y a des enfants du Congo qui sont en train de périr. Dans la situation est la République démocratique du Congo. Pendant que vous avez défendre ma belle à la coco batika. Pendant que vous avez moyen de défendre à la moelle épinière jusqu'à. À la dernière énergie pendant que luka ko défendre intégrité territoriale nabiso pendant que luka ko défendre République démocratique du Congo pendant que luka ko tiki la bana o biso tokobota même bana o bino bokobota azan États-Unis ato botie na Chine ato botie na Canada ato botie na États-Unis ato botie soki wapi mwana wana akozana bezo un jour aya na République démocratique du Congo. Marabo bola poko lo biango bo oui na lo biango pambate mabele ezali eloko basakana kana ngote Israël a longwe na Egypte Nzambe ayebisi bango bo longwa na mabele bozawana Adzui Moïse o akola kana ndako ya ya Pharaon ayebisi Moïse va dire à Pharaon de libérer mon peuple Moïse akenda ki na bitumba na ye moko ya nzoto
po akende ko bunda akeyi ko boma égyptien moko akundi ye. Excusez-moi hein, maloba penda la bible ezaka penza mingi te po to tanga moi bible penza moi mingi mais moi ma notion ngo ezali tango abomi akundi ye. Nzamba ibisi Moïse, non, ce n'est pas de cette manière que tu feras sortir mon peuple de l'esclavagisme. Ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas de cette manière. Alors, peuple congolais, lelo oyo, est-ce que chef de l'État Félix Tshisekedi azali bongo Moïse onzamba atindi pona koluka moyen ya kobimisa mboka na biso na bowumbu otozalaki nango et pas na ba M23 et pas na Monsieur Kagame. Parce que le régime Oeleki à Kabila a 18 ans, plus 3 ans, à papa naé 21 ans. Tout ça qui sous la domination, tout ça qui sous le néocolonialisme. Oezala qui y a nani ya Kabila, y a nani ya Kagame. On ne pouvait même pas parler à Mali Kagame. Bah, information de tout ça qu'on peut s'abîmer. De tout ça qu'on dénonce. Que tala Wazalen doit être infiltré. Au moment où Tolo Wazalen doit être infiltré. Bah, Kotiseli, bah, Iso, bah, infiltré Rwandais. Babimisi bango lokwa bazaba congolais mais makoti bango na kati ya wazalendo. Mikoleza koya bokoyoka ba wazalendo bakomi kokufa na ba poison. Ba wazalendo bakomi ko éliminer bango, bakomi ko incendier bango. Awa bazotanga awawa na localité ya na kati ya Lubero. N'est-ce pas? Batu ya M23 ba ye ko incendier. Ba ye ko incendier banda ku ya batu. Ba ke ko incendier ba matériel. Oyo ezalaki kozala servi pour la construction ya Banzela na route numéro 4 dans territoire ya Lubero. Est-ce que les États-Unis aza ko tenir compte ya violation flagrante et accepter voulu soutenir par M. Kagame? Yango mona pesa ki bino ma c'est que papa yebisi bana mi balé que soki bobundi nga na ko botika ko bunda bana mazoyo ka ko bunda te. Le col là-bas na mazoyo ka ko bunda te et sengeli papa zo a sanction contre mon oza mutu makasi et ça veut dire que les États-Unis comme ils se croient que ya comme le quoi papa na biso maman na biso a comme ko zo la biso ba décision ya ko imposer ka biso ba trêve humanitaire ou a comprendre que tout ce que ne ko bimisa M23 na est to gagner bituma oyo a pensi c'est le fait pour et permettre Rwanda a lu ka moyen ya ko se renforcer pour na ko lu ka ko changer ba stratégie na ba tactique na terrain pour permettre au Rwanda de gagner cette guerre. Bah, il y a un sanctionné par M23. Oui, tout le monde sanctionne, oh, bah, ça qui me se corne et nanga. Mais entre l'instigateur et le géniteur, parce qu'il y a un instigateur et il y a aussi un pratiqueur. Mais ce nanga n'est qu'un pratiqueur des ordres d'un instigateur qui est M. Kagame. Et M. Kagame doit faire doit avoir des sanctions venant de la part des États-Unis d'Amérique. Pourquoi vous avez sanctionné Kaka Corneille Nanga? Pourquoi vous avez sanctionné Kaka quelques membres OIA M23 na AVC à Corneille Nanga? Il faut sanctionner aussi M. Kagame parce que c'est lui qui donne les ordres. Il y a un tozo bi misambongo, il y a un tozo ko tinda M23 na terre. Pourquoi vous avez sanctionné été? Le jour où les États-Unis va sanctionner M. Kagame par rapport à la situation à est, ba kangina no mbongo na ezana ba États-Unis, ezana Europe. Ba kangi ba bien na ye immobilier, ba permet ba limiter ba sortie na ye, ba limiter ba sortie à moi si na ba na ye, na ba conseiller na ye, na ba collaborateur na ye, na ba membre ya gouvernement na ye, ba l'équipe quelques multinationales rwandais, ba o baza ko soutenir, ba biloko za ko leka na est, je pense que mukolwana to koyé ba 20 francs à Kagame et les États-Unis peut ko permettre biso to ye ba est-ce que partenariat to za ngon États-Unis za partenariat malam? Est-ce que za partenariat sincère? Parce que ceux qui ont partenariat ou ils ont sincère, la République démocratique du Congo a connu que Sibir te, Makamboza ko Sibir. Naïbi Sakibino ke Tokoloba, Makambo Itali, gouvernement, ya mama Jidit et Soumina. Lelo tolali na tongo tolamuki bandeko, transport na Kinshasa et Zate. Et à Kinshasa, n'engo yebi, quand il n'y a pas le transport, ça veut dire que la vie n'a pas de sens. Quand il n'y a pas le transport, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Ça veut dire que la vie à Kinshasa n'a pas de sens. Je préfère retourner dans mon territoire de Boudjala pour aller vivre là-bas. Parce que Kuna Atal Otili qui est à Ropelisa, MLC. Kuna Atako, comment on appelle ça? Maï Ezate à Robinet, il y a Régie des Eaux. Nako Kende, na Pompe, na Nini, comment on appelle ça? Na Liziba.
oye ba tout molaka ba ben na ramay na singa boy biso benga rango e kokolo ozo bimisa boy mai na katia libulu mai ko bima ozui ote na katia kantino ke osokoli obimi tozana ba mapa na biso basaka ya koni kuna ezali. Mais ici nous sommes à Kinshasa, le gouvernement de Judith Tuluka, que fait ce gouvernement? La question que nous nous posons est de savoir qu'est-ce que le gouvernement de Judith est en train de faire. Il n'y a pas toujours le financement, il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce qui bloque les actions du gouvernement de Mama Judith Tuluka? Chef de l'État a ouïti qu'au la séminaire awa a possible orientation. Président de la République a l'objet que notre peuple attend beaucoup de nous. Le souci de notre peuple est de voir ses besoins être satisfaits. Ses attentes doivent être satisfaites. Mais tellement que mon gouvernement a dit que les gens ne sont pas tous les transports. Ils ont dit que nous avons place dans la vente pour nous tourner une mission. J'ai dépensé plus de 11 000 francs pour nous comme Awawa, place chez les Ali. Mais d'habitude, na dépensera ce qui est belé, na dépensera 2000 francs chaque jour. To longo inaku to ye awa pona ko pesa bino ba information ndongo mo inenge Jésus en colère en bakangai ndenge to tourner mission c'est chaque jour pona longo kuna na yawa 2000 francs et quitter ici pour rentrer 2000 francs ce qui est mon transport et comment passe et comment au moins combien 5000 francs par jour. Faites maintenant les calculs. Tout ça nous faisons ça pour la République. Tout ça ko sala ngo pona mboka. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement de Judith Tuluka? Plein de charlatans. La plupart des membres du gouvernement de Mama Judith Tuluka sont des incompétents. Marabobolo pour le Bible, oui, je le dis, je l'assume. Parce que la constitution, le ministre, chaque ministre est le patron. Il est le patron, le responsable de son département. Ça veut dire que tout le monde, le ministère et le transport, il y a Koulout dans Jean-Pierre Bemba. La pression est en place, vous allez à Baïmoto, Singaya Mwambe, Singaya Pakebo. Kouloutou dans Jean-Pierre Bemba, la pression est en place, vous allez. Ça veut dire que Jean-Pierre Bemba, c'est lui qui est le responsable de son département, le patron de son département. Dans la constitution, la mission est à Koloba. Parce que la même constitution est à Koloba, c'est le premier ministre qui conduit la politique d'une nation. Ce n'est pas le président de la République. Le premier ministre conduit la politique d'une nation en tenant compte et en appliquant la vision des chefs de l'État. Mokonzambo kalobie ke esengeto tonga banzela ya dessert agricole. O ba bengi na français le route des desserts agricoles. Biloko longwa kana centre ya production et ya na centre ya nini ya consommation ou commercial. Mais biloko wana ko longwa ndenge nini? Esenge ba tonga banzela. Na outa koloba la fois passé awa dans les territoires de Boudjala, quitter les territoires de Boudjala pour venir à Gemena, dans les chefs lieux de la province, Nzele Zate. Une route, au Bogoyo, vous allez moins de 2 heures avec la moto, vous allez à 4 heures du temps. Namoutouka, Bogoyo, Tongo, Bokoti, à 14 heures ou 15 heures. Vous faites plus de 6 heures, 7 heures du temps, Nzela. Mais quel calvaire pour le peuple. Tolongo, on a trouvé la route numéro 24. Kolongo, Gemena, Koya, na niveau, ya Akula. Ça veut dire qu'il n'y a pas de route. Et pourtant, à Koula, ils allaient port. Oyoyo, bande comme ça dans la province de Sidoubangi. Bangonde ba kenda kozwa biloko na bango kuna. Ba memi yango na Gemena place ba tekaka. Mais imaginez que moto azana, excusez-moi, bilamba biloko ebele ba tekaka. Baza ko kende kozwa ngo pa ba memango na centre consommation zélé zate. Kolongo Gemena kokoma zongo na frontière na biso na Centrafrique, il n'y a pas de route. Kolongo Gemena kokende na Gbado. Namboka ya Mobutu CCC ko kukumbendu wazabanga. Il n'y a pas de route. Kuna kutu babosa na nzele za lagate. Touti ko tangawa na Lubero. Le M23 ba frappe. Ba materiel za kipo ba tonga nzela. E bungi nyoso. Ba esandye yango. Mais que fait le gouvernement de Mama Judith Tuluka? Awa makambo etali transponde tout ça koloba. Eza na responsabilité ya gouvernement provincial. Le ministre provincial y a transport et voie de communication et désenclavement. Et Sengeli, n'enge le col à Daniel Bumba Azali coincé. Parce que il y a des députés provinciaux, baza ko senga au moins 6 mois, il y a ma frais de fonctionnement dans Mango, avant que ba investi gouvernement provincial. Et puis, Senga qui a réduit nombre ya banini ya ba commissaires généraux, parce que baza na statité, n'enge moko ba ministre, n'enge constitution, et ça ko senga yango.
mais t'as là le transport isaté ba chauffeur baza ko lobaye que trop de tracasserie ministre en transport couru dans Jean-Pierre Bemba. Je sais que vous êtes quelqu'un au lukara toujours pour relever défi to moni onengo travailler na ministère de la défense to yebi bilan na yo to yebi musalo sali to kozonga mukolo musu pona ko lobelango mais t'as là awa wa transport na Kinshasa isaté. En même temps, dollar y a moins d'isa komata. Dollar ils ont 28 euros qui n'a 29. Beaucoup de non, notre pays on ne produit pas. Mais qui est en train de d'interdire à notre pays de produire? Un gouvernement sérieux se donne le luxe y a kolongwa Kinshasa y a kokende en Afrique du Sud pendant kokende kolugama sango avec une délégation de plus de 4 ou 5 ministres. Et ça makambuya Sony. Tout ça qu'on aurait mémoire y a bato bakufite pendant mboka. Donc on aurait mémoire à Lumumba te chef de l'État tozo senga na yo lamuka na pongi président république tozo senga na yo lamuka na pongi mama Judith Tuluka to kanisa ki eke ko pesa mama bokonzi lokola ba mama ba yebi sekele ya makamuza la cuisine to yebi eke mama ko kabula bana nyoso bakulia bakotonda mena ndenge makamuza ko kende tozo mola c'est comme ici ezana bana msusu ba kulia malamu te epi ezana bana misusu ba oyoyo ba kuzanga meme biloko na ligne nege toza kokende dollar ezako mata banzela na Kinshasa ezate transport tracasserie lelo transport ezate courant na parlement même pas mai ekufa dans la parcelle où moi j'habite mai ya galisute ba to régie des eaux ba ya ba kata mai pona nini il y a des dettes au ezaya 1960 biso esengeto futa vous trouvez ça normal une dette oya 1960 Lumumba no akufite mais régie des eaux aza ko senga biso to futa nyongo wana ya 1960 DG a régie des eaux DG a SNEL to sali nini po to mérité biloko yabo le peuple d'abord une peste biso to lobaki eke esengeli na biso to luka moyen yako sali sap yako sepeli sa peuple mais tala makambo to zalaki na kisantu ngai marabo bola combattant de l'île des Perses dans le territoire de Boudjala. Tout ça, c'est le mélabantivalaire dans le territoire de Bissot. Tout ça, c'est le mélabantivalaire dans l'État. Tout ça, c'est le mélabantivalaire dans le peuple Mabé. Tout ça, c'est le mélabantivalaire dans le lengue de l'Ongoba n'y était pas dans la vision de Mokonzi Amboka. Tout ça, c'est le mélabantivalaire dans le ennemi pendant qu'on trahit le plan de Bissot qu'on a bouté dehors le M23. Tout ça, c'est le mélabantivalaire baye baza ko telemela mokonzi ya mboka to ko telemela ba o baza ko ningate peuple a sepela yango moni to za ko loba makambo yo ya gouvernement ya mama Judith Suluka trop de ministres dans ce gouvernement sont des incompétents ba witi na ba parti politique le quoi to na ba biloko ba kota ba supprimer biloko ya ba kota oyo que le président de la république a nommé batu ba oyo yo baza capable ya ko sa ila e musala. Et ça, le col a entraîné un manager. Et Sengeli a placé ma joueur Oya Monique. Soit il a placé Eto'o na 9, n'a placé Messi na 10, n'a placé, je ne sais pas moi, quel est ce défenseur, Pignol ou je ne sais pas moi, na défense, toko gagné match Oyo. Et ça, te batine, elle a entraîné. Tosa na système, mon quoi, wa, ba entraîné, moussou ba lekaka na lopa, ba banda ko benga. Oui, t'es là, mba la biscotte, t'es là, trésor pour tout, t'es là, bo, t'es là, ba résultat, ba match, wa, n'en ezalaki. Et les lois, c'est une constitution, la biso, ba revoir yango, ba pesa mokonzi mboka qualité na pouvoir, yako banda ko nommé, batu, ndenge o yaza ko kanisa, to longo la biloko ba kota wana. Ça tue le pays. Les lois, la plupart des ministres, la kati ya gouvernement, ya Judith Tuluka, sont des incompétents. Je suis de l'île Perse, je dis ce que je suis en train de voir. Biso, to kende ki na kisantu, na makambuza ko le kanana, ide Perse. La crise qui sévise dans notre parti politique, où ils ont géré un secrétaire général qui se croit être comme un demi-dieu depuis le départ de Kabound. Est-ce que Tokoi Kondima que le départ de Kabound a été une erreur par la base de l'IDPS? Est-ce que la manière que l'actuel secrétaire général gère le parti, est-ce que c'est une bonne manière par rapport aux d'autres secrétaires généraux qui sont passés dans notre parti politique? D'ailleurs, on nous signale, et ma grief va reprocher par le secrétaire général Nabiso Ezali Somme, violation flagrante, il y a statut, CDP Nabiso, qu'on révoque ma membre alors que c'est le président qui le nomme qui révoque. Violation, Azoa 4 vice-président de la Ligue des Jeunes, Nakoma premier président de la Ligue des Jeunes. Président Emani Azaralissou Moussa Laté.
na kati ya IDPS na biso ba poste za ko reveni na IDPS il semblerait que ya koma ko zwango ko teka yango alors que ce sont des postes reveni na parti ba pe sa ba sectionnaire ba ta na ba fédération ba pe si ba ba fonction ana et le monsieur qui est sorti du parti nde ya ko zo moyen a engagé banani ba combattant pas si ya ba combattant ici là. Na IDPS, on reproche au secrétaire général Makambo Ebele. Mais biso to kendeki na ki santu, on avait conduit une délégation de plus de 15 personnes au Ngamara Bobola na mema ki bango na ki santu. To kei to sali point de presse na biso, il y a eu des pétitions, plus de 300 et quelques pétitions au ezala ki signé pour la ko désavouer secrétaire général na biso, monsieur Augustin Kabuya. Tous les combattants na ki santu balobe ke il ne mérite pas d'être le secrétaire général. Et toi, Kozonga, je crois que Bakosungabiso, Nabilili, Bokomo na yango. Et Mikoloza Koya, il y a des actions autocomenées pour Nakoluka ko pousser secrétaire général Nabiso, Oyo Azali, ex-secrétaire général, il doit partir. Lelo IDPS Ezakusa la Sony na régime Nabiso par rapport même à ma parti politique, monsieur, je le dis, je l'assume. C'est la démocratie. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Comment on peut avoir à la tête d'un parti politique un monsieur qui ne respecte pas les combattants? Moi, j'ai été chassé par le secrétaire général. Mon général, s'il vous plaît, monsieur le secrétaire général, j'ai un message à vous donner. Et le monsieur a Telimi, a répondu avec dédain, tout en me grondant, bandeko, nabikaka liwa mkolowana. Vendredi, la semaine passée, ceux qui ont eu un message, il va se rappeler de moi. C'est quelqu'un qui me connaît. Batu bazakana simana yewana. Ngape le quoi poids exacte ngape kama mukio yo moi 47 kilos na ngayo batombola na bato ba vimba maboko bato ba vimba ba kende ko tombola mabende awa evimba awa vimba muto akoma le quoi robot même robot eza na na triompha les abote bazonga ba bwaka nga boy ni tete souplesse na ngai balinga ba betanga e ba kombata ba ye wana balinga ba betanga e bele ba reconnaître ba bi non to ebiye c'est un combattant, c'est un communicateur. D'ailleurs c'est parmi les gens qui défendent le parti. T'as la sort. Bon, ceux qui n'aiment maintenant défendre le régime et le chef de l'État. Il y a IDPS. N'aiment parmi les gens qui défendent les valeurs de notre pays, l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et nous étions parmi les gens qui l'ont défendu. Mais ceux qui ont ça, qu'en est-il des autres combattants? IDPS, Nabiso, Tokiti, Aouna, Seming. Voilà pourquoi, à Kisantou, nous avons dit que nous devons créer un parti politique fort et non les hommes forts. Parce que nous avons adhéré à la démarche du docteur Etel Longono. Tout est commencé par là. On n'a pas adhéré à la démarche d'un individu. Comme lui-même, le docteur était le monde qui est que le combat n'a pas été contre l'individu. Le combat n'a pas été contre le système que M. Augustin Kabuya a placé à la tête de notre secrétariat du parti. Lui-même, il est le secrétaire. Lui-même, il est le président AI. Un poste qui n'existe jamais dans notre parti politique. Lui-même, il est convention démocratique du parti. Lui-même, il est la CEP. Lui-même, il est la Ligue des jeunes. Lui-même, il est la Ligue des femmes. Lui-même, il est comité l'exécutif national du parti. Lui-même est tout. Lui-même est la base. Voilà pourquoi Makamouza ko marchete. Lelo oyo IDPS, il y a des sectionnaires, des fédéraux au bazaba chômeurs. Yango activité na biso ki santou to lobaki ke esengeli secrétaire général akende to réorganiser parti. Parti et tambouama na batu ya mayele. Parti Tambouama, naba cadre, totonga siège yasika, to salaba centre ya formation, ba salle de réunion, ba salle de formation. Même les communicateurs, oyo, monsieur Kabuya placé bango, na katia IDPS, ils sont incapables à redéfendre. Il y a des gens, oh, bah, ça capable, y'a redéfendre un parti. Même ils sont chargés de communication, incapables de faire face avec un communicateur du PPRD, dont je ne veux pas citer le nom ici. Mais il y a des gens qui sont censés. Il y a des gens qui ont des talents, qui peuvent bien faire ce travail. On ne vous demande pas beaucoup d'argent. Bisoba Maria Bobola, oh, nous avons perdu le travail pour l'IDPS. Moi, j'ai travaillé dans Congo Airways. J'ai perdu mon travail en 2022. Parce que j'étais passé dans une émission pour exiger le divorce entre FCC Cash. Le loyo, toza nenge toza bo. Est-ce qu'il faut toujours continuer comme ça? Donc, activité d'Abisso qui sent tout, Baropé Sabino, toujours réitérer combat d'Abisso, toujours ça l'appelle et pas la combattante à la résistance. Le col la commission est à la qui mise en place,
basengi na CDP ba organiser congrès monsieur Augustin Kabuya a kena kimia yonso soki a boku kena kimia yonso biso toza bana tisike dia to yebi nini to ko aider ya kende. Donc merci beaucoup et sengozala ki ya mingi ya ko solona bino mokona lelo ngonga ezangonga sombele suka bisanga bolobo suka ngbele na pesi mbote na ngai pa na DG ya Congo Airways oyo ba revoka ki ye en violation flagrante ya ba texte o ezali ya administration ya nini wana to moni ministre tutelle ya portefeuille Jean Lycée Boussa a meki ko recadrer a telemeli décision wana o PCA azwaki et je pense que Mikoloza koya to koye ba nini pona ko pesa bino ma information na PCP lisusu mbote et pa na DG Bertrand Boudimou o ezali DG ya FPI to pesi mbote to za ko encourager to za ko féliciter pour la moussala ma la moza ko sala bazan ya FPI baza très bien payé FPI za ko tambola malamu baza pe ko pesa mbongo e pa na bilenge e pa na bande ko nyonso ba baza na ba projet pour na ko luka ko installer ba petite moyenne entreprise sur le plan industriel na pesi mbote na ngai e pa na mama Denise Yankiro o yazali mama na biso na bosante cofondatrice na biso mama Martin merci beaucoup ndeto kutani mbala sima na pesi mbote na ngai e pa na DG Stéphane Balamwange e na bosanite Jésus en collé, Max Ouazala qui na machine, Jean-Cy Brigitte qui bala na pesi, binyon son beauté, bye bye, Tokutani, à la prochaine. Merci beaucoup, je crois que nous nous sommes rencontrés ici, c'est pour un objectif noble. Notre objectif ici, comme nous l'avons dit, nous avons adhéré à la démarche de l'un de nous, de l'un des vaillants combattants de l'UDPS, de Tien Tshisekedi Wamu Lumba, des 13 parlementaires, il s'agit de Dr. Étienne Longondo. Depuis qu'il a essayé de mettre en place une lettre qui avait demandé la réorganisation du parti, nous, nous avons consulté la lettre et nous avons trouvé qu'il était important pour nous de pouvoir également adhérer à cette démarche. Et nous avons fait le déplacement ici à Kisantu, dans la province du Congo central. C'est pour appuyer la démarche notamment du docteur Étienne Longondo. Vous êtes sans le savoir que notre parti politique est géré par un secrétaire général. Il y a notre comité national de l'exécutif du parti. Nous avons la présidence du parti qui est gérée notamment par un secrétaire général à la personne de M. Augustin Kabuya. Mais depuis un certain moment donné, nous avons constaté qu'il y a des laissés-aller. On lui reproche de beaucoup de choses. On lui reproche de la vente de postes qui devaient revenir à l'IDPS. On lui reproche de la mégestion. On lui reproche également du clientélisme. On ne peut pas faire allusion du tribalisme pour ne pas créer les fissures au sein de notre parti politique. Et vous le savez que nous devons nous préparer pour les élections de 2028. 2028, ce n'est pas trop loin. 2028, c'est pour bientôt. Voilà pourquoi le docteur Étienne Longondo a dit que la réorganisation du parti ou rien. Ça veut dire que sans la réorganisation du parti, nous ne pouvons pas céder à cette démarche. Nous en appelons notamment à tous les combattants, à tous les combattants. Tangwe kokiyo yo yo.